Alors pour tous ceux qui ont le message, vous n'avez pas l'autorisation de jouer à Fortnite, j'ai peut-être une solution pour vous. Alors apparemment, ce problème est uniquement sur PlayStation 4. Donc tous les joueurs de PlayStation 4 pour l'instant ne peuvent pas jouer à Fortnite. Et Fortnite France, donc le Twitter officiel de Fortnite français, a tweeté qu'ils étaient en train de régler le problème, donc ils sont en train d'enquêter sur le problème lié à ce message d'erreur. Et si maintenant vous allez sur le statut d'Epic Games, ben là c'est pareil, hein. Ils nous disent que le problème est en cours d'investigation, donc ils sont en train d'enquêter sur le problème, pourquoi les joueurs ne peuvent pas se connecter à Fortnite. Donc si jamais vous ne voulez pas rester devant votre console, vous avez juste à vous rendre sur le site statut Epic Games, de l'actualiser plusieurs fois jusqu'à temps que ce message d'erreur s'efface. Quand vous ne verrez plus ce message d'erreur, bah là ça voudra dire que vous pourrez vous reconnecter. Après j'ai une autre solution pour vous, peut-être que ça va fonctionner ou peut-être pas. Alors cette solution, c'est un abonné qui me l'a écrit, il s'appelle Salim C4 9437, donc grosse dédicace à toi. Je sais pas si c'est du fake, parce que moi je n'ai pas ce problème, je suis sur PlayStation 5, donc je vous laisse lire la solution et l'astuce, parce que tout simplement je pourrais même pas vous la présenter comme je n'ai plus de PlayStation 4. Alors je sais pas si c'est du gros troll, mais pour tous ceux qui sont motivés à essayer, n'hésitez pas à essayer et nous dire en commentaire si ça a fonctionné ou pas. Après, si d'autres personnes ont d'autres solutions, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ou alors, s'il n'y a aucune solution, bah, vous allez juste devoir attendre que Fortnite corrige le problème. Et quand ils auront réussi à le régler, bah, là, vous pourrez jouer à Fortnite.